السلام عليكم الزول في الأول مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. Je suis très content d'avoir cet invité aujourd'hui avec moi dans cette émission. ضيف اللي نفتخروا به نفتخروا بالتاريخ تاعو بالشيء اللي داروا في حياته الشيء اللي حب يديروا للجزائر. Conseiller de plusieurs multinationales en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ayant vécu aussi aux USA, aux États-Unis, donc en Suisse aussi. Il a travaillé comme market analyst à la Bourse de New York, ayant lancé le premier mobile banking en Algérie en 2005, fondateur de la section biométrique à Algérie Télécom en 2010 et initiateur du seul et premier système de paiement biométrique scanner de l'iris de l'œil. Avec Algérie Post en 2013. Aujourd'hui, il siège au conseil d'administration de deux multinationales britanniques. Puisqu'il vit à Londres, il est conseiller en TIC, donc information, télécommunication, information et communication de Vodafone et Lika Mobile. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Adel Abdelrahman Khalf, consultant international donc en information, communication et bancaire et économie. Il est avec nous معنا اليوم في هذه الحصة في هذا اللقاء الخاص. Adel Abdelrahman Khalf, مرحبا بك. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir aussi pour moi d'être ici avec vous et d'essayer de contribuer comme on peut. Barakallahu fik, مرحبا بك عادل. D'abord, حبينا نبداو يعني على بالي التخصص تاعك يعني ta spécialité dans l'économie, les finances aussi. J'ai un peu donc parlé de ton passé, عندك une expérience même fait la bourse aux États-Unis à New York. Une grande expérience aussi puisque tu as lancé en Algérie même plusieurs projets. حبينا نشوفوا لا كيستيون ايكونوميك معاك كيستيون ايكونوميك اون الجيري كومون tu la vois puisque on parle on a des chiffres qui sont avancés par rapport à cette économie du côté donc des autorités du pouvoir algérien mais il y a aussi les observateurs les spécialistes qui contredisent donc les chiffres حبينا donc تعطينا انت رايك في هذا الامر mais avant de commencer et d'aller dans en détail sur ces questions. On a vu donc l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Tu as acheté l'américaine, tu as acheté New York. Qu'est-ce que cela veut dire, donc la réélection de Donald Trump pour le monde et pour la géopolitique? Oui, alors je pense que ta question elle est très orientée et vraiment précise parce que la réélection, moi je pense, de M. Trump n'est pas, à mon avis, comme je l'ai déjà dit avant, n'est pas une surprise. Moi je pense que c'était déjà attendu. Je crois que ça répond à un agenda qui est en place depuis quelques années. Et je pense que certaines forces qui sont derrière, on va dire, vous savez, l'Amérique, même si c'est le pays le plus puissant du monde, vous savez, ça obéit toujours aussi à la règle qu'en en Amérique, il y a aussi un État profond. Il y a le président, oui, il a des pouvoirs, mais attention, il y a un lobby très puissant, il y a un lobby de New York, il y a un lobby juif des entreprises qui est très très puissant, qui a une influence très importante, il y a un autre. En fait, il y a des forces qui sont très actives aux États-Unis et qui font que certaines choses doivent fonctionner comme ils souhaitent. La réserve fédérale, par exemple, c'est un acteur très important. C'est l'équivalent de la Banque nationale aux États-Unis qui a un poids à dire. D'ailleurs, le patron de la réserve fédérale est un homme que le président de la République, Trump, ne peut pas limoger. Il faudrait que de lui-même doit se retirer. Donc, il y a un certain rapport de force qui est en train de se redessiner, qui s'est redessiné aux États-Unis. Le retour de Trump signifie qu'il va y avoir un grand changement dans le monde
qui va précipiter des événements très très rapides et qui vont se faire incessamment, qui vont avoir lieu incessamment. Les premiers impacts, on va les voir en Amérique plus ou moins, mais pas tout de suite en Amérique. Les premiers impacts, on va les voir au Moyen-Orient, et on va les voir en Asie, on va les voir côté Chine-Taïwan, on va les voir aussi Europe et Afrique du Nord. Donc le retour de Donald Trump répond à un agenda très précis où toutes les cartes ont été redistribuées et maintenant on est passé au mode d'exécution. On veut s'arrêter sur la question de l'Afrique du Nord, en général, mais en particulier par rapport à notre pays, l'Algérie. Comment vous voyez donc cette réélection peut influencer notre relation et surtout elle peut influencer ce qui se passe en Algérie? Absolument. Vous savez, Trump, contrairement à ses prédécesseurs, ou à tous les autres présidents américains. D'abord, Trump, il a deux caractéristiques. Ça, c'est pour répondre à votre question, c'est-à-dire comment ça va influencer sur l'Algérie. Ou le Maghreb. Je préfère dire le Maghreb. Vous savez, Trump a deux particularités. Premièrement, c'est le premier président américain qui fait un retour. C'est du jamais vu aux États-Unis. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est à vérifier, mais je pense que c'est le premier Américain qui a été élu, qui a fait son mandat, qui est parti, qui est revenu, qui a été réélu. C'est extraordinaire. Deux, contrairement à ses prédécesseurs, Trump n'est pas un guerrier. C'est pas un bonhomme de guerre, c'est pas un bonhomme de porte-avions et allez, on va taper, on va... C'est un penseur. Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui voit la présidence à travers une optique économique. Le business. Donc, il ne va pas aller à affronter l'Afrique du Nord, dans le sens où, comme ses prédécesseurs. Je pense que c'est un homme qui va démontrer que ses décisions, lui, il y tient. C'est un homme, par contre, il y a une chose qu'il faut retenir de lui. Trump, quand il donne des promesses, il les met à exécution. Il exécute toujours ce qu'il fait. C'est ça qui est impressionnant chez lui. Il avait dit qu'il allait lancer le mur, il l'a fait. Il avait dit qu'il allait bloquer le voyage pour les musulmans, il l'a fait. Il a dit plusieurs choses, il les a faites. C'est un homme qui exécute ses promesses. Il avait pris sa position par rapport au Sahara occidental. Ça, c'est une position politique, diplomatique. Maintenant, il va passer aux positions économiques. Pourquoi ? Parce que le Maroc, même s'il a une politique économique modeste, l'Algérie a une économie qui est basée sur les hydrocarbures. Elle a un rôle quand même important dans la région. Elle fournit le gaz à des pays européens qui, il y a 2 ans, étaient fournis par le grand acteur, donc la Russie. Donc l'Algérie vient en tant que pompier, les aide en dernière minute, ce qui a aussi causé quelques problèmes pour l'Algérie par rapport à la Russie. C'est un autre sujet. Donc Trump va venir, comme j'ai déjà dit, pour lui, le Maghreb, c'est pas le gros sujet. Pour lui, le gros sujet, c'est le Moyen-Orient et la Russie et l'Ukraine. Mais Trump va mettre l'Algérie dans une position difficile. Il va, si vous voulez, serrer les taux d'une façon progressive. Il va vouloir inviter les partis à venir à table. Je pense qu'il va essayer de, non pas jouer l'intermédiaire, parce que lui, il n'aime pas faire ça, lui, il agit directement. Il va, je pense, mettre une nouvelle politique diplomatique avec l'Algérie. Il va exprimer sa position de voir la paix dans la région. Il va vouloir séduire l'Algérie sur le côté économique, mais il va rester très très rigide et très très strict par rapport au rôle que l'Algérie joue dans la région, parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, notre pays joue un rôle essentiel dans la région, sur le plan sécuritaire. Donc, il va peser le pour et le contre, et je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment, il va ménager le chou et la chèvre, mais il va le faire d'une façon claire et directe, il ne va pas tergiverser. Et comment peut-on lire, donc, du côté algérien, là je parle, vous avez parlé aussi du Maghreb. La question du Sahara occidental touche aussi les deux pays, l'Algérie et le Maroc. On sait qu'il y a donc cette rupture diplomatique de relations avec le Maroc. Vous l'avez dit, Trump, c'est le premier président américain qui a reconnu donc le Sahara occidental. Absolument. Donc
Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle, cette réélection de Trump pour le régime algérien? Alors, vous savez, dans votre question, il y a deux questions. Parce deux zones. Oui. C'est, là, il y a une position diplomatique de Trump, de l'Amérique, on va dire, par rapport à l'Algérie et le Maroc. Et il y a une position de l'Algérie vis-à-vis d'elle-même. Par rapport, vous avez dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le système en place? Vous savez, le système en Algérie est un système qui a toujours fonctionné selon ses intrigues à l'intérieur, au rythme de ses conflits internes. L'Algérie n'a jamais fonctionné au rythme des indicateurs internationaux. C'est pour ça que sur le côté géostratégique, les enjeux géostratégiques aujourd'hui, l'Algérie est très affaiblie. Parce qu'on n'a pas eu de veille économique et on n'a pas eu de veille diplomatique. On n'a pas vu les choses venir. Donc, le système aujourd'hui en Algérie, est-ce qu'il a été content avec la réélection de Trump? Je ne pense pas. Parce que Trump, aujourd'hui, c'est un homme qui va se rapprocher de l'Arabie Saoudite. Qui est très proche de l'Arabie Saoudite. Et il va se rapprocher de la Chine. Et puis la Chine, elle va investir beaucoup d'argent dans la reconstruction de Gaza. Et en plus, la Chine va vouloir sa part du gâteau, du gaz, au large de Gaza. Donc, Trump va réguler tout ça, que ça soit bénéfique pour lui, pour l'Amérique et pour ces pays-là. Et ces pays-là vont eux-mêmes déjà, par rapport à l'arrivée, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Trump va faire à l'Algérie, à mon avis, il ne va pas le faire directement à l'Algérie, il va le faire par ricochet. Donc en se rapprochant de la Chine, et en jouant une carte engagée de paix dans la région, en prenant sous son aile la Chine, et certainement plus tard la Russie, mais surtout aujourd'hui l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui eux ne jurent que par Trump d'abord et que par l'Amérique après. C'est très important, parce qu'il y a le côté humain que Trump possède qui séduit parfaitement le Moyen-Orient. Or, aujourd'hui, le Moyen-Orient a des problèmes avec nous. Plutôt, je veux dire, nous avons des problèmes avec le Moyen-Orient. Et les Émirats Arabes Unis, ben voilà, et un peu aussi l'Arabie Saoudite. Ah ben non, beaucoup l'Arabie Saoudite. On a beaucoup de problèmes avec l'Arabie Saoudite. Donc, ces pays-là sont très concentrés sur Trump, d'abord, et sur l'Amérique après. Mais attention, l'Arabie Saoudite a beaucoup d'investissements au Maroc. Les Émirats aussi. Et les deux se sont retirés de l'Algérie en termes d'investissement. Donc ça implique un langage de sourd, mais un signal que vous, l'Algérie, vous ne nous intéressez plus tellement. Nous, on se concentre sur le Maroc. Donc ça va faire en sorte à ce que... Moi, je pense que la position de l'Algérie va être diplomatiquement et économiquement très fragilisée avec cette politique de Trump qui va intervenir là. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de plus. C'est une nouvelle et c'est une première dans le monde de la politique américaine. Et je pense que beaucoup d'observateurs n'ont pas fait attention à ça. Il y a beaucoup de mouvements actuellement dans le monde diplomatique. Au Qatar, en Arabie Saoudite et en Russie. Mais ces mouvements sont en train d'intervenir au moment où nous avons un président élu. Ça veut dire qu'il n'a pas encore pris ses fonctions. Le bonhomme déjà non pas encore en fonction, et déjà il dégage une zone, une énergie, où tout le monde, on a l'impression comme si Joe Biden n'existait même pas. On a l'impression que Trump est déjà à la Maison-Blanche, est déjà en train de signer des décrets. Que la passation de pouvoir se fait en général le 20 janvier, vers le 20 janvier. Deux mois après. Alors que là, toutes les horloges européennes et du Moyen-Orient sont déjà en train de se régler au rythme de Trump, alors que ce dernier n'est même pas déjà en fonction. C'est vous dire que les choses vont s'accélérer très 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 vite, et l'Algérie n'est pas en position aujourd'hui diplomatique et politique de suivre ce rythme. Je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Mais quand on entend le discours عادل, يعني يمكن سمعوا التبون ولا يعني حتى les autres responsables parler de la force de l'Algérie ou étant une force de frappe, étant une puissance dans la Méditerranée, mais aussi en Afrique, vous êtes en train de dire que l'Algérie est affaiblie diplomatiquement. Et comment on s'est retrouvé dans cette situation?
Bon. Voilà comment on va dire les choses. Vous avez mentionné, et je répète ce que vous venez de dire, hein, expressis verbis. Vous avez dit que eux disent que l'Algérie est une force de frappe. Alors, quand on se prétend, ou quand on se... Non, pas quand on se prétend, quand on se déclare une force de frappe. C'est quoi une force de frappe, à votre avis, dans le monde d'aujourd'hui? Un pays qui importe 80% ce qu'il consomme. C'est un pays qui s'appauvrit. Un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui s'appauvrit, qui ne crée pas de richesse. On est dépendant de plusieurs pays dans le monde pour l'importation de nos denrées alimentaires. Nous ne produisons rien du tout. Quand je dis rien du tout, je ne veux pas être méchant, c'est dans le sens où on part toujours dans la masse. Bon. Un. Deux, nous avons une monnaie qui n'est pas une devise, donc qui n'a pas de rôle à l'international. On n'est même pas présent dans le secteur de change international. Trois, nous sommes un pays aujourd'hui qui a beaucoup de peine à répondre aux besoins domestiques. On n'arrive pas à donner au peuple du café, on n'arrive pas à lui donner de l'anesthésie dentaire, on n'arrive pas à avoir des véhicules, on ne peut pas acheter de voiture. On a des problèmes basiques de produits basiques, ils ne sont pas dans le marché. On n'arrive même pas à offrir à cette population, à notre peuple, de quoi survivre, de quoi se nourrir. Et vous pensez que vous avez le pouvoir, le courage d'aller affronter des pays qui d'abord sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui font la pluie et le beau temps dans les marchés boursiers, et qui contrôlent toutes les matières premières que nous importons pour le très peu que nous produisons, et qui aujourd'hui contrôlent l'export de ce que nous avons, de ce dont nous avons besoin. C'est quoi Qawad Aliba? Nous sommes un pays qui est très très loin d'être Qawad Aliba. Quand on est Qawad Aliba, on n'est pas en train de se plaindre de disponibilité de café. Il faut rester quand même réaliste, il faut rester raisonnable. C'est le premier point. Le deuxième point, notre pays aujourd'hui, je vais donner un exemple basique. Montrez-moi en 2024 un pays dans le monde, dans l'ère du numérique, montrez-moi un pays qui a un seul fournisseur Internet. Est-ce que vous réalisez ça? Nous avons un seul fournisseur Internet. Nous avons un seul fournisseur d'électricité. Nous avons une seule société des trains. Nous avons tout en un. Nous sommes dans un modus operandi des années 60-70. Dans un monde de 2024 où les fusées partent et reviennent. Je ne sais pas si vous constatez, vous réalisez le retard abyssal dans lequel nous nous trouvons sur le plan politique, économique, diplomatique et social. Et on dit que nous sommes la troisième économie mondiale. C'est extraordinaire. Ça, c'est Tebboune qui l'a dit. Oui, mais ça n'engage que lui. Et peut-être qu'il voulait dire la troisième économie d'Afrique. Même pas. Même pas. Je vais vous dire. Je vous donne un petit exemple très rapidement. Pour vous dire à quel point il y a des lacunes, à quel point il y a des anomalies. Je ne sais pas si vous en avez souvenance, il y a de cela, il y a un mois et demi, le ministre de l'Industrie déclarait que nous allons régler le problème de l'anesthésie dentaire, etc., 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 et que ceci s'est causé à cause de ceci et cela. Bon. Après, il n'y en avait pas. Il y avait une pénurie, d'ailleurs, elle y est toujours, hein. Il y a une pénurie, moi je me suis renseigné auprès de plusieurs dentistes, il y a une véritable pénurie. Bon, moi, le secteur médical en équipement, c'est pas trop mon secteur, c'est pas mon secteur d'activité. Je suis pas très très intéressé, mais je connais beaucoup de monde à travers les continents. J'ai beaucoup d'amis. J'ai contacté comme ça au hasard une entreprise qui produit de l'anesthésie dentaire. Je donne pas de nom parce qu'on fait pas de publicité. Et j'ai parlé avec le PDG de cette entreprise parce qu'il m'a été introduit par quelqu'un que je connais. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous avez de l'anesthésie dentaire?
dit, ben oui, on ne fait que ça. J'ai dit, si un pays vous passe commande là maintenant, vous pouvez livrer? Il me dit, ça dépend. Combien? J'ai dit, je sais pas, moi, une grosse quantité. J'ai donné un chiffre comme ça à peu près. J'ai dit, 1 million de capsules, vous pouvez? Ah, il me dit, mais oui, mais 2 millions, 3 millions, vous faites votre lettre de crédit, vous faites votre demande, on vous envoie par le cargo via des compagnies aériennes. Il m'a dit, 10 jours ouvrables, c'est chez vous. Ils n'arrivent pas à importer de l'anesthésie. Bon, je pensais qu'il y avait une pénurie mondiale quand j'ai vu les... Mais non. Parce que... Ils n'arrivent pas à importer de l'anesthésie. C'est sublime. C'est... Comment expliquer aussi, puisque vous avez parlé donc de la position de Trump par rapport à la question du Sahara occidental, comment expliquer le revirement de la France par rapport à cette question et ce qu'on a vécu ces derniers jours, donc cette note qui est sortie, on n'est pas très sûr, le démenti des autorités algériennes par rapport donc à la rupture commerciale, relations commerciales avec la France. Comment peut-on expliquer le revirement de la France, mais aussi d'abord par l'Espagne, puis par la France par rapport à cette question, puisque vous parlez de cette faiblesse de l'Algérie et on n'arrive pas à anticiper, et là je parle bien sûr de la diplomatie, des relations extérieures. Bon, alors, avant de parler du revirement de la France, il faut poser la question par rapport au revirement de l'Algérie vis-à-vis de l'Espagne. On a été causé mille et une étincelles à l'Espagne, parce qu'on n'était pas content avec leur position vis-à-vis du Sahara occidental. Je vais revenir par rapport à votre question, qui est liée à la France, parce que c'est lié aussi. Donc, on a fait ce qu'on a fait aux Espagnols, on a tout bloqué, on a causé des blocages énormes côté Algérie, d'autres côté Espagne, avec l'impact que ceci a provoqué, hein, donc... non-disponibilité de produits, problèmes de... Enfin, tous les problèmes qui sont causés... Et même l'anesthésie dentaire, je pense qu'on l'a portée de l'Espagne et... Absolument, absolument. Ça, c'est des symptômes, mais il y en a plein d'autres. Bon. La raison, la cause, c'était quoi? C'est qu'on n'était pas content de la position du Premier ministre espagnol. D'ailleurs, à Alger, il regardait de très très près les élections en Espagne et il voulait absolument que ce dernier ne soit pas réélu. Bon, au final, à leur grande dame, il a été réélu. Bon, au final, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a tout arrêté, tout va bien, madame la marquise, il n'y a plus de problème avec l'Espagne, on rétablit tout. Bon, au final, est-ce que l'Espagne a changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental? Non. Non. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit, cette politique menée par l'État algérien? Non. On a juste fait une petite crise de colère pendant 2 ans, qui est insensée, qui est irrationnelle, qui n'a ni tête. En fait, revenir vers l'Espagne leur a donné l'envie de s'attaquer à une puissance qui est 15 fois supérieure à l'Espagne. C'est la France. Parce qu'attention, l'Espagne, c'est pas la France. La France est beaucoup plus puissante que l'Espagne. La France est la première économie d'Europe. C'est la première puissance d'Europe. Militairement, ils ne sont pas très loin des Anglais, je pense qu'ils sont égaux. Mais on parle EU, on ne parle pas UK. La France est une énormissime puissance. Elle est la 4e, 5e puissance mondiale, moins puissante que l'Algérie, qui est 3e. Et donc, on veut s'attaquer maintenant. Alors maintenant, on ne s'attaque plus à la souris, on veut s'attaquer au tigre. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un problème. On n'est pas content de la position de la France. Mais monsieur, la position de la France, on n'avait pas besoin de l'entendre depuis les Français. Ça fait longtemps qu'on savait que les Français allaient s'aligner par rapport au Sahara occidental. Ça fait long... Et puis, sur le côté géostratégique, vous pensez que la France va prendre une position différente que celle de Washington? Ça relève de l'impossible. Et donc, c'est pour ça que la Grande-Bretagne va s'aligner dessus. Moi, je pense qu'il faut cesser d'indexer tout ça au problème du Sahara occidental. Je pense que c'est un problème qui va être réglé au niveau des Nations Unies, mais en plus, même au niveau des Nations Unies. Moi, j'entends le ministre des Affaires étrangères algérien, il dit « Ah, mais le problème est posé au niveau des Nations Unies. » Oui, mais les Nations Unies, son conseil de sécurité, il est présidé par qui? Qui sont les membres principaux? L'Amérique, la Chine, la France, la Grande-Bretagne. Vous pensez que ces pays membres permanents du Conseil de sécurité vont prendre une position différente pour faire plaisir à l'Algérie? Il faut arrêter de rêver. Donc moi, ce que je ne comprends pas,
Pourquoi l'Algérie s'obstine sur ce sujet alors que nous avons des problèmes extrêmement graves à régler en Algérie ? L'emploi, la crise économique, les crises diplomatiques avec d'autres pays. On a tellement de problèmes qu'il faut absolument régler. On veut absolument se concentrer sur la question du Sahara occidental. Moi, je vous dis, c'est un sujet qui est en train de causer beaucoup de problèmes à l'Algérie aujourd'hui parce que nous nous entêtons sur ce point alors que nous savons très bien que la partie est perdue. La partie est perdue, vous êtes en train de dire. Moi, pour moi, la partie est perdue parce que je ne pense pas que les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ou l'Algérie dit bien que le problème du Sahara occidental va être réglé au niveau du Conseil des Nations Unies. Bon, les Nations Unies, elle a un Conseil de sécurité permanent. Elle a des membres du Conseil de sécurité permanent. Tous les membres du Conseil de sécurité permanent ont une position contre celle de l'Algérie. L'Algérie, elle est qui aujourd'hui pour frapper sur la table ? Est-ce qu'on fournit l'Amérique ou l'Europe à nous seuls ? Est-ce que nous détenons les clés du pétrole et du gaz à nous seuls ? Est-ce que nous exportons à ces pays-là ? Est-ce que ces pays-là dépendent de nous pour leurs denrées alimentaires ? On a quel poids dans le monde ? Quel est notre poids aujourd'hui dans le monde ? Quel est le Qawa d'Ariba ? C'est ça. C'est quoi le Qawa d'Ariba ? Quel est notre... L'Amérique, elle a son économie, elle a son armée. La Chine aussi. Et les autres, puissances aussi. Mais leurs économies. Le Qawa d'Ariba, c'est l'économie, c'est l'argent, parce que tout gravite autour de l'argent. Money is power. Tout est autour de l'argent. L'Algérie aujourd'hui, quelle est son arme ? C'est quoi son arme ? On a quoi dans le monde ? Quelle est notre force dans le monde ? Et pourtant, Tebboune et Chengriha avaient parlé de ce grand défilé militaire qu'on a vu donc le 1er novembre. L'Algérie a montré que c'est une puissance militaire en Afrique, Adel. Alors, je vais répondre à ça, mais de mon point de vue personnel. Vous savez, l'Algérie, ce n'est pas un pays avec une armée. L'Algérie, c'est une armée avec un pays. Moi, personnellement, je suis très très fier de la puissance de l'armée algérienne, puisse-t-elle être aussi puissante. Mais je pense que, à mon humble avis, moi, pour moi, je suis très fidèle aux valeurs historiques de l'Algérie, de notre pays. Moi, pour moi, je suis très affectueux à nos martyrs, aux gens qui se sont battus pour l'Algérie. Moi, je pense que l'armée, pour moi, ça n'a jamais été un sujet intéressant. Je ne pense pas que Chengriha ou ses acolytes ou ses généraux, ou tous ces gens-là de l'armée, représentent vraiment pour nous un gros problème aujourd'hui. Moi, je pense sincèrement que le gros problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est la présidence. C'est un gouvernement incompétent. Complètement incompétent, complètement dépassé. Et je pense que la position de notre président de la République et son ministre des Affaires étrangères, vous savez, souvent on dit qu'ils ont une vision qui ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. Moi je dis que c'est même pas ça, je dis qu'ils ne voient pas plus loin que la longueur de leurs cils. Très bien. C'est une question qui est très importante, vous êtes en train de poser à Adel. Surtout la question de l'armée par rapport au pouvoir en Algérie. On va essayer de comprendre cette question parce que je vais vous poser cette question dans la deuxième partie de notre émission Tête à Tête. La première partie donc est terminée. On va revenir dans la deuxième partie, Inch'Allah, sur les questions économiques, mais aussi cette question de pouvoir et le rôle de l'armée dans ce pouvoir en Algérie. يعطيكم الصحة هذه كانت الحلقة الأولى لقاء الخاص اللي كان مع الأستاذ عادل عبد الرحمن خانف كي كونسلتون دونك انترناسيونال en télécom information et communication et bancaire et économie. تكون عندنا إن شاء الله حصة ثانية لقاء ثاني sur les questions économiques en Algérie mais aussi le pouvoir en Algérie qui contrôle ce pouvoir. À la prochaine et à la deuxième partie.